D'accusation, c'est un dieu. Il dit que c'est code. Parce que si c'est pas code final, je ne peux pas amener monsieur en justice. Je ne peux pas faire rien. Je peux simplement, si vous mettez fausse information dans le taxi, vous pouvez payer 3 mois. Pour ça, vous pouvez aller en prison pour ça. Vous comprenez? Donc, vous êtes obligé d'inclure code fille et campagne là-dedans pour que vous ayez une justification pour que vous fassiez ça. Vous voulez. Ok, mais il faut nous souligner tout que c'est 34 transactions similaires qui fait dans à peu près même contexte là, d'après accusation. Yo. Oui, mais si vous êtes d'accord avec vous, mais là, vous avez une accusation qui est zéro. Là, vous avez cette multiplication 34 fois 0, vous toujours arriver dans 0. Toute accusation par des fondations. De toute façon, le seul côté où il y a un indictment, c'est au côté comme New York, côté Yoraï Trump. Le droit dans New York City, il y a 10 sur 10 de Yoraï Trump. Mais d'après quelques informations, il y a plusieurs autres states qui ont des dossiers sous Trump. Il n'y a pas seulement 10 New York. Non, il y a que Fulton County. Nos autres côtés de l'État, Atlanta, Fulton County, son côté, qui est entièrement anti-Trump, parce que c'est un pile démocrate qui contrôle County, ça, côté accusé County, ça, de faire un pile fraude dans l'élection. Donc, so, côté ça, il y a une autre fausse accusation qu'elle a profité. Mais c'est pour comprendre le bagage. Tout ça, c'est simplement pour que le peuple, monsieur, un candidat encore, le peuple, que monsieur le président encore, il n'y a pas gain vraiment pareil que monsieur réalisé. Je vais un exemple. Où est monsieur Bragg, le district attorney de New York, qui a fait tout ça capable pour qu'il mette Trump dans un jugement comme ça, malgré que tout le monde, assassin, tueur, voleur, et vous avez déjà. Monsaïo, il est réduit, il mettait au dehors, il n'est pas fait prison. Mais c'est des vrais criminels qui a plagué dans la rue de New York, c'est pour ça que New York est un côté dangereux depuis longtemps, au côté que nous avons quitté New York. Le problème que nous avons à Miami et la Floride. En plus, le monde a quitté la Californie et New York, il a fini avec la Floride, parce qu'il n'y a pas un tout problème de homeless qui dans la rue. Et toute criminalité qu'a fait dans la rue, a quitté les zones là, d'abord dans l'état de la Floride. C'est pour ça que l'on va acheter un cas ici. On va acheter un cas 3 fois le prix que Georgia. Ok, monsieur Mancuso, André était sous sujet. Et moi-même, étant que yon ancienne candidate, et une candidate en 2013 pour District 3 dans notre Miami, moi connais que. L'argent campagne, c'est pour campagne. L'argent campagne n'est pas qu'à aller pour payer si foolishness qui est fait et en bas et pour candidat. Donc, puisque nous avons est-ce que vous voulez dire, puisque il n'est pas légal pour utiliser l'argent et qui pour campagne pour régler ses affaires personnelles, donc pour faire ça que. Et Trump te gagne avec Stormy Daniels. Est-ce que vous voulez dire que vous devez passer ça en bataille pour ne pas souligner ça et quitter n'importe candidat, faire n'importe ça, vous voulez? Mais encore une fois, vous accusez que c'est comme campagne. Trump dit qu'il y a une preuve que ce n'est pas comme campagne, c'est comme personnel. C'est pour ça qu'il y a un tribunal. Tribunal pour des preuves appuyées. Aux États-Unis, you are innocent until you are proven guilty. Ou innocent jusqu'à ce que vous avez prouvé que vous êtes coupable. Donc, vous avez accusé de n'importe qui bagaille, même si vous connaissez le papier. L'idée, c'est que nous voulons que nous n'ayons pas parlé de ça. Vous voulez attaquer réputation, vous voulez salir en plus toute réputation, vous voulez que vous perdiez l'élection pour que tout le monde puisse penser que vous n'avez pas ça.
Ça veut dire que simplement que Anton jugement, Anton qui juge a d'accord pour que l'agent tribunal, Anton tribunal pourrait côté vérité la sortie, et qu'on y a si on pouvait, avec toutes les preuves, que M. P utilisait COP Finance, on a donc à une discussion. Mais tout autant que ça n'a pas qu'à prouver, nous n'avons pas qu'à répondre, est-ce que c'est bon pour un candidat pour faire ça? Bon, il n'y a qu'à prouver, est-ce que c'est COP campagne? En tout cas, et c'est ça que moi-même, nous-mêmes dans la communauté haïtienne, moi, suggérez-nous pour nous jouer à mi-temps. Chaleur Chola, suggérez-nous pour nous jouer à mi-temps parce que c'est jouer à mi-temps qui est bon pour nous. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le bagage ça, parce que ça, c'est politique qui a réglé, bagage politique qui a réglé entre démocrates avec républicains. Nous-mêmes, immigrants, qui gagnent l'autre bagaille pour nous défendre, nous besoin jouer à mi-temps, mettez-nous dans mi-temps, créons un mouvement mi-temps, bon haïtien même mi-temps, afin que vous nous capables de régler, poser pas nous. Et Chaleur Chola? Oui, mais bon, Cousseau qui t'a fait un râle dans son sens, mais comme on dit, nous n'avons pas gagné en conviction percée que les démocrates, que les républicains, nous pas tous sûr qu'on bon haïtien qui comprend les enjeux ou pas l'entrer dans un programme et Mounzao. Et puis d'ailleurs, on connaît, Trump représente les corporations et l'autre nous représente les politiciens. Et c'est un gros lutte qui vient dans la société américaine là. C'est politique qui a pris la corporation. Et bataille, ça a vraiment monde qui connaît qui côté la parler. Et certainement, on va essayer de nous bagarrer, nous, et nous pas garder parce que nous n'avons pas le luxe pour nous entrer dans eux. Et Haïti, gardez bien pour connaître qui côté au campé. Et j'en campé, à soupa bien campé, organisons pour jouer bien, pour capable de joindre faveur par ou par rapport à gens qui a défendu, ça y a défendu. Je ne sais pas quoi défendre la scène. Voilà, nous-mêmes, c'est jouer mi-temps que nous avons besoin de jouer, nous-mêmes haïtiens. Et nous avons vraiment, vraiment besoin de placer nous dans mi-temps. Et par contre, si c'est dans la partie indépendante que nous avons fait, gens pour nous entrer dans nous, mais son bagage, puis collectivement, pour nous, t'as fait pour leur deux ailes opposées, ça y est, leur après régler à faire. Nous-mêmes, nous avons un agenda communautaire, côté que nous avons présenté ça, nous avons besoin pour la communauté haïtienne. Non? Et par rapport à rêve nous pour communauté, par rapport à ça que nous avons aimé, ouais, pour groupe ethnique, pas nous qui vivons aux États-Unis, et pour politique en Haïti, nous avons une influence sur politique en Haïti. Oui, Mankouso? Oui, pas qu'attendre, monsieur, parce que vous êtes très bas pour moi-même, so, mais tout ça qu'a dit, c'est que vous voulez une explication de sa divergence, vous expliquez où, mais il faut comprendre que même. La politique lui affecte nous. Parce que vous avez une différence. Sous Trump, vous ne pouvez pas payer 8 dollars, 10 dollars pour une douzaine d'heures. Sous Trump, vous ne pouvez pas payer 5, 6 dollars pour un gallon de gasoline. Tout ça affecte nous. Bon, on quitte l'aspect ça. On quitte l'aspect ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous allons entrer dans la dernière partie de l'émission. Nous allons bien vous dire que nous sommes pas d'accord avec l'analyse. Mais quand même, parlez-nous 45 d'existence pour Mankouso Production. Qui ça va faire? Dis-nous rapide. Qui ça va faire comme célébration? Il y a travaillé sur un documentaire sur tout ça nous réalisé et qui a sorti ou après sur IPTV. Et on lance une grande célébration qui a fait le 25 mai à Atlanta pour le lancement de IPTV en Atlanta. Et puis, on a bien l'autre projet que l'on a pas annoncé, mais c'est certain que c'est un événement important pour nous. Et de toute façon, tout le monde qui a aimé qui a plus d'informations, il est arrivé nous dans 954-709-6513. Que vous aimez Trump ou pas aimez Trump, ça va gêner. 954-709-6513. En tout cas, parler à même sur le sujet vous voulez. Mais IPTV là, depuis 1988, pas un pile média qui sous les ondes télé ni radio depuis 1980 sont nous fiers que nous réussissons quelque chose quand même. C'est ça, bas numéro encore? 954 709 6513.
To be honest, pour finir avec aspect ça, I would prefer to see African American people focus on asking for reparations for the crime of slavery instead of focusing on Trump, because that's not gonna help us a bit. But if we focus on asking for reparations, the system has done our African American cousins wrong. It's long overdue. Reparations should have been addressed. Surtout pour Haïti, avec les Français qui voulaient plus de plusieurs. Well, comme n'a pas les, since we're talking about African Americans, so I wanted to bring that point that I would prefer these African American DAs and whatnot to focus on asking for reparations for African Americans here in America, because that's necessary. It has to be done. As far as political issues, Trump, no Trump or whatever, that is not gonna help the African American community, the Black community. It's not gonna help us. These are people, you know, taking care of their own business. We need to start taking care of our own. We need to, talk about what concerns us and what concerns African people in general. Since we are here in the U.S., African American people, please rethink what is necessary. We definitely need to focus on reparations, because there's no way the American government can say there's no money for reparations, because there's no amount of money that's too much to provide for reparations. And also, when you look at what's going on, the amount of support that the American government is providing to Ukraine, it's ridiculous. It's billions, I would say billions of dollars, while you have African American people suffering. $100 billion jusqu'à présent. Mais bien important, vous parlez de African Americans. Bien important pour réaliser que chaque fois qu'il y a une élection, démocrates pensent que l'action est tout African American et puis ils ont un paquet de promesses. Yo pas seulement pensé, yo pas seulement pensé, yo manipulé Afrique américain noir, yo. Yeah. Donc si demain, pour une fois, on dit ok, on peut pas voter démocrate, pas voter du tout, ma voter indépendant, ma voter républicain, simplement pour que les démocrates comprennent que si vous voulez African American voter pour eux, il faut que yo livre, il faut que yo paye, que yo finalement réalise tout ça yo promet. C'est ça. On ka réaliser, nous ka suivre, sinon suivre très bien. Chaque fois qu'il y a élection, ouais, démocrate yo commence à parler de réparation. Après ça, et tout temps passé, yo pa fè rien sur réparation, et puis le pral gen élection encore, yo parle de ça. Et ça fait me dire ni yon ni l'autre pas bon pour nous même dans la communauté haïtienne là. Mais gen yon ki rat mode soufflé, gen yon l'el mode li comme te ka di ça. Et préfère un moun ka mode mais puis ka ferme konnen la mode m'a manger chèm au lieu de yon ka mode mais puis la souffler en même temps. Donc m préfère moun ça parce que m konnen ki moun m'a dit sur république même yo pa ka kèr pou yo di ça y a fò là y a foli et pou même sou pa d'accord ou ranger corps. Mais démocratie eux-mêmes, il y a passé sous côté, il y a bagaille, ça fait nous besoin, nous-mêmes haïtiens, pas dans parti pris, entrer dans mi-temps, et puis pour nous définir nos agenda communautaire, et puis de là, pour nous mettre force nous ensemble. Oui, là, peut-être. Bon, c'est tout ça, ils ont fait, essayer que petit monde tourne, ma fille, le garçon vient tourner, fille, tout ça, c'est à partir d'Obama. Ils ont voté pour lui.
n'a parlé de ça le Mancuso ba numéro dernière fois lui a censé voltiger sous nous ba numéro ou pour mon carré là pour 45e célébration Mancuso production 954 09 65 13. Merci, c'est un plaisir de retrouver encore une autre fois. N'a pas remercié Mancuso qui est ensemble avec nous. Merci à tout le monde qui t'a suivi du moment ça. Et Chala Show là, fon di moun yo, comment émission ça a fait vin joun yo? Bon, émission ça a fait vin joun yo par cause de Vision de Mérite 50 qui situe école dans 200 nord-ouest, dans 200 nord-ouest, 79e street, dans Prince Forest là. Alors, si besoin était à faire maman, papa rentrer aux États-Unis, papier immigration, TPS, résidence, ah, mais au besoin de quatre tout bas, ça vient joindre madame comme consultant pour être capable de résoudre le problème. Le numéro 1, c'est 305-607. Vous savez? 603-9793. Comme ça, vous dites, nous sommes à feu. Nous sommes à plaisir, nous sommes avec vous et nous connaissons que tablier, consulter madame dans 305-603-9793. C'est là, lié et réélu pour toute consultation. 305-603-9793, c'est le numéro pour les démons. 305-603-9793. Vous besoin d'entrer madame, petite, mari, frère, soeur. Et vous besoin de faire programme Biden. Et bien, nous là pour nous aider. Où. Et pas oublier pour taxou. Chaque année, on bail player ou pas qu'on combien cob yo charge pour remplir taxou. Eh bien, année ça, pas gè parler en pile. Vin faire taxou dans Vision 2050. On y crée les 305-603-9793. Quand on va prendre toute sa cap passer dans taxou avant signal ou besoin payer bill yo. Eh bien, faire comme taxou dans Vision 2050 qui dans 200 Nord-Ouest 79e Street, dans point de storage là qui dans 79 là Nord-Ouest 2e côte. Dans Vision 2050, c'est free tax évaluation, free tax estimation, free electronic filing et free direct deposit. Eh bien, qui sera obtenu? Rele Kati, Kati Panouan, dans 305-603-9793. C'est ça, 305-603-9793. La votre dans le dernier bout de nous, dans la dernière partie de l'émission, qui c'est, qui ça n'a fait avec sacrifice dans cette nouvelle? Eh bien, mes amis, et coupe ça que kidnappé, fait d'appui sous yo. Kidnapping of a Florida couple being held for ransom in Haiti. The family says they spoke to their loved ones on Sunday. It was the first time in more than a week. The State Department says it's aware of the situation. Xavier Walton is live in Tamarack, Florida, where the couple lives. Good morning, Xavier. Mitch, good morning. You know, the family, when I spoke to them, they said that they were having an extremely tough time. And to make matters worse, that couple has a son, 2-year-old Jace. Today is his birthday. And instead of celebrating, that couple is in Haiti being held hostage. It was like straight out of a movie. A movie at this point with no ending. Christy DeSorma says her uncle and his wife are being held hostage in Haiti. The couple flew to Port-au-Prince, then boarded a bus to Laogon in hopes of visiting very sick family. Apparently, those commercial buses had like a deal to pay the gangs to not bother them for each trip from Port-au-Prince to our town in Laogon. But apparently that bus driver that day, he did not pay the fee and kind of let them go as collateral. For Abigail and JD Toussaint, that was more than a week ago. We're just frightened for them. Do you almost feel helpless in this situation right now? Pretty much, because, you know, we tried to do it and it didn't work out the first time and they tried to jack up the price. Christy says the family paid the $6,000 ransom that the Haitian gang asked for. Now we think that they're trying to hustle us for even more money, you know, like $200,000 per person. So your family is legitimately negotiating with these Haitian gang members
Yeah, with the help of the FBI. And the State Department. A spokesperson sent News Nation this statement saying they are aware of reports of two U.S. citizens missing in Haiti. Christy continues to call on high powers for help. Sunday, her family was given a bit of hope. The kidnappers gave him his phone for like a brief moment and said, call like the first person you can. He ended up calling my aunt and uncle who live in Florida. He talked to my uncle, his brother-in-law, and he said that, like, he's okay, but he and my aunt are tied up, my aunt Abby. Yeah, they're tied up and okay. En tout cas, gain un signe de vie quand même, parce que dimanche-là, les familles ont recevoir un appel de coupe-sard, un signe de vie. Et mes amis, n'a demandé kidnapper pour libérer coupe-sard, pour Toussaint. Eh bien, famille Toussaint libérée, un petit bébé, 2 ans, et qui se passe fait là sans pardon. Enfin, son bagage qui est triste, parce que c'est dans le niveau ça a pu nous arriver. Nous quitter que moun qui censé pas en faveur yon Haïti libre, eh bien, nous quitter que c'est eux-mêmes qui a manipulé. Quelques jeunes en Haïti pour entrer dans la question de kidnapping, qui a fait des âmes que nous pas même qu'à écouter, et puis qui a kidnappé les gens qui semblaient avec eux. Ça, c'est un bagage qui est triste. Même la population en France nous dit un bagage, même qui est l'ombre qui est attaché à Haïti, faut nous dit un bagage, nous pas qu'à quitter le pays que les ancêtres nous ont fait sans eux. Quitter pour nous, on ne peut pas quitter que petit ancien kidnappeur qui a kidnappé les ancêtres en Afrique, a utilisé petit monde qui était libéré, qui était libéré nous de l'esclavage, pour utiliser nous pour continuer à mettre nous dans nos vies, pour continuer à mettre l'instabilité en Haïti. Donc, son baratrice. Faut nous corriger ça, faut nous travailler pour nous corriger ça. Ma souje gon moun ki t'ap di gon zone soit cap haïtien et côté population te levé campé contre yon groupe moun ki t'a laissé utiliser yon kay pour faire question kidnapping ou pour kidnapper moun la dani. Et bien si toute population fait ça et ça permet que nous pas peine la guerre, il va dire by kidnapper sa yo k'ap mete terreur nan population et n'a mandé États-Unis nous connaît côté zam yo sorti c'est bon côté et c'est ici aux États-Unis que zam yo sorti sans approbation gouvernement ici plan membre qui sans approbation c'est de moun ici aux États-Unis zam yo pas arriver et bien mes amis faut nous faire le nécessaire pour nous mettre pour nous rendre États-Unis responsable de chaos qui a passé en Haïti. Parce que nous connaissons ça, nous ne pouvons jamais remettre nous. C'est nous-mêmes qui avons cassé la chaîne d'esclavage qui fait que je ne veux dire et plusieurs côtés, non seulement en Haïti, nous ne pouvons pas faire ça pour Haïti seulement, plusieurs côtés qui sont noirs et bien nous capables de libre. Et bien, vagabond, ça, nous ne pouvons jamais pardonner nous. Et il faut nous-mêmes nous ramasser caractère nous pour nous capables de montrer que. Nous connaissons valeur tête, nous ne pas quitter la question de kidnapping, ça continue. 305-603-9793, c'est le numéro pour joindre moi. J'oublie nous. Nous toujours songer de nous. Et si nous oublions l'homme pas là, songez que nous aimons nous. Bye bye. À samedi si Dieu veut. Au revoir. Son boulka poule, Bruno Jean a brassé, pas j'aime n'a poule. Pas chaque nuit, tout gâteau, mon étoile filé. Faut les faire, avec ton plan bien déterminé. Avant qu'on soumise, faut m'en laisser satisfait. Veuillez profiter, racketer, les faits bonnets.
c'est fort cruel, la misère, c'est pas yon malais. Mané plus, sous pagé ou seigneur complice, accompli ton mission, sans solution, sans problème. Sous tes fans, yon stèle section, dans le fond est fort, mais capi, fort avec l'amour. Devise mon démon, moi j'ai l'air. JVN, North Miami.